J'ai Spotify gratuit. Je vais vous avouer que. Pas facile tous les jours. J'en peux plus. Désolé, mais. J'ai des pubs, j'ai des. Je peux pas choisir la musique. C'est compliqué. Non, mais en vrai, parlons-en de Spotify gratuit. Parce que c'est horrible ce truc. Genre en soirée, t'es comme ça, bah, tu veux mettre une musique en particulier. Sauf que tu peux pas. Pourquoi? Parce que t'as pas Spotify Premium. Sauf que du coup, bah, ça fait des scènes un peu cocasses, tu sais, en soirée. Ouais mec, attends, arrête-toi deux secondes de danser. Ah, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est pour mettre de la musique, tu sais, genre, pour ambiancer les gens. La musique. Passe ton téléphone. Ah ouais, Spotify gratuit. Tu veux, tu peux mettre sur YouTube. Et puis en plus, t'es dû aller sur YouTube. Donc cette soirée, déjà, c'est un peu chiant parce que sur la musique que t'as mis, t'as eu plein de pubs, déjà. Et puis en plus, tu vas repasser sur Spotify après. Sauf que sur Spotify, il y a quand même des pubs toutes les 5 minutes. Ce qui est ultra chiant. On va pas se le cacher. Et du coup, ben, là vraiment, la soirée, tu la passes quoi? À t'enjailler sur des pubs. Tu cherches un job cet été? Choisis d'aider les personnes dans leur quotidien. Rejoins les aides à domicile de l'ADMR pour accompagner les personnes âgées, en situation de handicap ou pour garder les enfants. Et puis alors, en plus, c'est que... Voilà, on parle de pubs de Spotify, mais c'est pas vraiment des pubs. Hein. Une pub, c'est censé donner envie de vouloir acheter le produit. Là, c'est que il crée ces pubs pour que t'en aies marre et que t'achètes le produit. La démarche, elle est différente, je sais pas si vous voyez. Surtout que du coup, bah, pour faire les pubs, ils doivent bien les créer. Et je me demande à quoi ça ressemble, les briefings. Parce que là, ça doit être tout aussi cocasse que les soirées que tu passes à t'enjailler sur des pubs. Ok Thierry. Henri, on va faire une pub pour Spotify. Est-ce qu'on aura le droit d'incorporer une comédie musicale dans cette petite pub? Non. Mais là, regardez, vous avez le script. Tiens. Vous prenez les voix les plus chantes. Et puis, il y en a un des deux qui nous fera la voix off. Et puis, voilà. C'est moi le meilleur. C'est moi qui vais faire la voix off. Je suis meilleur que le gadjou, là. Bon, ben tout est parfait. On peut aller enregistrer tout ça. Que se passe-t-il ici, Ferdinand? Je suis juste en train d'écouter de la musique, Joseph. Pourquoi cela? Mais... nous ne pouvons pas écouter de la musique dans un sous-marin. Il n'y a pas de connexion. C'est pour ça que je possède Spotify Premium. Je peux télécharger mes playlists pour les écouter, même 20 000 lieues sous les mers. Waouh, c'est une super offre, Ferdi. J'en toucherai 2-3 mots à ma mère. Mais Jojo, tu n'as qu'à ouvrir le hublot. Mais alors, obtenez Spotify Premium et profitez de 3 mois gratuits pour pouvoir écouter vos sons n'importe où, même hors connexion. Vous zappez 6 fois par heure. Comme ça. Ça fait pas beaucoup, hein. Bon, après, voilà, je dis ça, mais il y a des avantages. Non, en vrai, c'est que c'est quand même chiant. Mais ça te permet d'apprendre la patience. Ça fait que tu dois écouter les musiques en entier. Tes playlists, c'est des sons aléatoires. Finalement, tu redécouvres des fois des musiques parce que tu dois les réécouter. Et c'est quelque chose de beau, finalement. Ça permet d'apprécier les choses à leur juste valeur. Apprécier ce que l'humain a mis tant de temps à faire. Ça nous apprend la sagesse. Une façon de penser incroyable. Spotify gratuit, c'est l'école de la vie. Bon, après, pour les pubs, y a rien à faire. C'est vraiment de la merde. Mais voilà, c'est bien quand même, des fois. Enfin bref, si t'as aimé cette vidéo... n'hésite pas à l'ajouter à tes titres likés. Et maintenant, tu vas me laisser aller m'enjailler sur les pubs, moi. Moi, je veux m'enjailler. C'est pour ça que je possède Spotify Premium. Je
vais télécharger mes playlists pour les écouter 20 milieux sous les mers.